Et re les amis, allez, on se retrouve pour la prochaine partie. On a été à aider nos merde, notre équipage qui s'était fait avoir. Putain, descend, descend, saute, saute, saute. Oula! D'aider notre équipage qui se faisait, qui s'était fait capturer, on va dire. Je sais pas si c'est les Templiers ou si c'est d'autres personnes. Vite, vite avant qu'il se retourne, vite avant qu'il se retourne. Voilà. Ouais, je demande s'il est rempli d'or, de jade et de pierreries. Oh, silence. Touch package, il est tel bouni comme ma capitale. Hop. J'en suis sûr, après tout, c'est là-dedans que les Espagnols les trouvent. Ah bon, ils les sortent pas du sol? Vas-y, viens ici, toi! Voilà! Ouf, j'ai eu chaud parce que si je me fais détecter, ils tirent sur les prisonniers et j'ai des pertes. Ah oui, non, c'est les assassins, il faut que. Ouais, il y a les assassins et il y a des membres de mon équipage, il me semble. Bon. Vraiment, la sarbacane est vraiment très très utile, hein. Je vous la conseille vraiment en termes de gameplay, hein, parce que elle est vraiment indispensable. Question, question furtivité, elle est vraiment géniale. Ça coïncide pas avec le gameplay du pirate, ça je vous l'accorde, mais avec le gameplay de la, de l'assassin, c'est nickel. Bon sang, tu vas monter. Voilà. Merci capitaine. Mais de rien. De rien, fidèle membre d'équipage. Ouh, ils ont trois là-bas. Je vois. Oups. J'ai glissé, chef. J'y pense. Voilà, faut pas qu'il me capte. C'est bien, barre-toi. Tu m'as pas vu. Voilà, je pourrais tous les endormir, mais bon, ça serait viser mes munitions pour rien. Merde, bah en fait, je vais pas avoir le choix pour lui. J'attends que l'autre, c'est bon. Merde. Voilà. C'est un esclavagiste qui a fait venir ses soldats. Moins un. Moins deux. Moins trois. Et moins quatre. Moins cinq. J'aime bien ça. Ouais, et puis l'autre, je lui ai pas mis un dernier coup pour la route. Voilà. Alors attendez, là il y a un espèce de signe, je vois pas ce que c'est. Il n'y a rien indiqué, j'ai jamais su. Je pense que c'est une grotte ou une connerie comme ça là. Ou alors c'est peut-être pour les tenues, je sais pas. S'il y a un truc que je suis sûr, c'est qu'on n'a pas fini et que je vais me synchroniser, nom de Dieu. Et hop là. Boum. Oh, c'est beau. Bon après les amis, dès que je passe assassin et puis pirate, je change de tenue, promis. Je viens de vous spoil, je suis très con, c'est pas grave. Et yep. Bon bah écoute. Oh putain, tous les cadavres d'assassin. allons par là. Ah c'est le chef, coucou. Oups. Hmm. Je n'arrive vraiment pas à les comprendre.
Oui, c'est toi que je siffle, viens voir. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Eh, debout. Il se cache avec moi, il est gentil. Oh mon dieu, un cadavre. Mais qu'est-ce que se passe-t-il? Non, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai pas compris. Oh, oh. What? De? Fuck. J'ai pas compris là. Laisse, j'espère que... Ouf, je suis chaud. C'est bon. Putain, non mais c'est pas là que je voulais monter. Paka. Descends. Oh là là. Alors ça c'est pas le moteur graphique mais c'est enfin je sais plus comment on appelle ça. Sur tous les Assassin's Creed c'est la merde ça. Bah. Quand tu veux monter à gauche du moment il monte un poteau, tu sais pas pourquoi. Sprint, il y a une vigie en haut. Vite. Coucou. C'est bon. Que la peste emporte ces négriers. Ouais. Monte. Voilà. Je crois qu'il y a un coffre par là, non? Il me semble. Non, pas là. Ah, c'était peut-être là. Oui, c'est là. Ça fait le 6ème sur 7, je crois. 6 sur 7, ouais, exact. On va aller voir de l'autre côté. Oups. Voilà. Une vigie là-haut. Ouais, c'est bon. Ah, mais il nous aide quand même. Ah, mais c'est le chef. Ok. Oulala, il y a du monde là. Deux de chaque côté. Oh putain. Oh putain. Lui il est en mode je comprends pas tout. Allez hop, comme ça on prend pas de risque. 1 2 3 4 5 6 et toi 7. Voilà, bon, des fléchettes furie. Je vais vous montrer ce que c'est. Donc vraiment pour la furtivité c'est mieux les fléchettes soporifiques. Les fléchettes furie c'est surtout pour faire diversion, je vais vous montrer. Essayez d'utiliser alors les fléchettes furie, je vais déjà vous montrer ce que c'est et après je vous expliquerai comment bien les utiliser. Ça serait bête de l'utiliser, à mon avis ils vont tuer mes gars, mais bon c'est pas grave. Hop, ça c'est un chef. Alors voilà, les fléchettes furie, il faut vraiment essayer de choper le plus possible des chefs qui sont un peu plus résistants. Bon, ça n'empêche pas qu'ils puissent se faire démonter quand même, vous allez voir. Aïe. Bâtard. Bon, il s'est fait démonter. Bien. Oh pff. Et regardez, lorsque la fléchette furie va atteindre, enfin tout du moins les comment dire, le temps d'effet, voilà, va prendre fin. Vous allez voir ce qui va se passer. Ça c'est très pratique les fléchettes furie pour les missions d'infiltration ou les missions d'assassinat. Vous avez le bonus de discrétion automatiquement. Regardez, hop là, mort. Voilà, temps terminé, mort, fini. Maintenant vous êtes tranquille. Je te dois la vie, mon frère. Moi aussi, mon frère. Merci. Qui observes-tu? Tu vois cette misérable crapule? C'est Lorenz Prince, un négrier batave. Il vit comme un roi à la Jamaïque. Il y a des années qu'on traque cette charogne.
Par l'enfer, on le tenait presque. Vous les assassins, vous êtes une bande de joyeux drilles. Vos têtes font vraiment peine à voir. Capitaine Kenway, tu disposes de nombreux talents. Ah, le talent, c'est inné. Mais tu es grossier et arrogant. Et tu parades dans un uniforme que tu n'as pas mérité. Enfin, tout est permis. C'est bien votre devise, non ? Je t'absous de tes erreurs à la Havane et partout ailleurs. Mais tu n'es pas le bienvenu ici. C'est mon ami. C'est pas ce que j'ai voulu. C'est vrai qu'il est un petit peu égoïste hein, pour l'instant, notre Edward. Et puis quand il parle de la tenue, hein, ils font pas référence à la tenue de capitaine pirate que j'ai, hein, mais la tenue d'assassin que j'avais au tout début du gameplay. Hein, qu'on soit d'accord. Ils savent s'amuser, tes amis. Tu mérites leur mépris, Edward. Tu te pavanes habillé comme l'un des nôtres. Tu fais honte à notre cause. Et c'est quoi, votre cause ? Notre cause est de tuer des gens. Les Templiers et leurs alliés. Ceux qui veulent contrôler tous les empires de ce monde, soi-disant au nom de la paix et de l'ordre. Ça me rappelle les derniers mots de Ducasse. Tu vois, tout est question de pouvoir, mon ami. Ils veulent dominer les gens, confisquer nos libertés. C'est un autre message d'un de tes amis ? Ouais. Je vais te montrer. Alors voilà, là, elle nous montre... il nous montre les différents camps hein, des missions d'assassinat, tout simplement. Vous voyez, en train d'assassinat, ce sont les têtes de mort. Je vous montrerai sur la carte comment vous équipez que des missions d'assassinat, par exemple. Parce que vous savez que sur toute la carte, vous avez, par exemple, l'emplacement des camps, l'emplacement des villes, l'emplacement des d'arponnage, l'emplacement... Bah, lorsqu'il y a un emplacement de ville, bah, les emplacements secondaires, c'est-à-dire les contrats d'assassins, on les voit pas. Des emplacements naval, enfin, ouais, un truc dans le genre. Si j'en parle mon français. Enfin bref, vous allez voir, je vous expliquerai un petit peu tout correctement. Hop. Voilà, donc la mémoire est terminée. Je crois que j'ai réussi une synchronisation complète, c'est parfait. Je vous retrouve tout à l'heure pour la suite. Ciao, ciao.